pile à l'heure. Tu es si ponctuel, mon fils. Nous avons un rendez-vous, maman. Nous sommes attendus. Dans combien de temps partons-nous? Dans une vingtaine de minutes. Ne tardons pas trop. Ils ne vont pas lancer un avis de recherche, quand même. En outre, je ne suis pas du genre à arriver en premier. Tu sais que j'ai toujours adoré me faire désirer. Oui, il te faut un public nombreux pour être heureuse. Il me faut surtout un public exigeant. Et j'espère qu'il le sera ce soir. D'ailleurs, je ne sais absolument pas quoi me mettre. Une robe claire, gaie et printanière? Ou sombre et raffinée? Comment m'aimeront-ils, ces gens-là? Pourquoi dis-tu ces gens-là? Cette aimable société, je te prie de m'excuser. Ils aiment la discrétion et le bon goût, si tu veux savoir. Ah oui, l'éclat vient de l'intérieur, je sais, mon fils. Dis-moi, qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'être invité ce soir? Est-ce toi qui aurais éprouvé le besoin de me présenter à ta nouvelle famille? Ou bien au contraire, cette aimable société a désiré voir le vieux cheval dans son numéro donner une fois encore une dernière représentation d'adieu? Pourquoi es-tu si agressive? T'en sais rien. Que penses-tu de cette robe? Je la trouve très belle. Avec ça, je pourrais interpréter le rôle de ma vie. Maman, je te demande de ne pas jouer de rôle pour nous ce soir, ni tragique, ni comique. Je vais faire de mon mieux pour jouer le rôle de la maman parfaite qui est si fière que son fils ait réussi à s'introduire dans leur milieu, à fréquenter les hautes sphères de la société. Laisse ça. Au bas les pattes, c'est mon verre. Ah, vous ne vous arrêtez jamais. Toujours au travail, hein? C'est que je me sens bien quand je travaille dur dans le jardin. Ça me fait du bien. Dans ce cas, je vous souhaite de continuer comme ça. Entrez donc prendre une tasse de thé, monsieur. Non, merci, je m'en vais, je suis en retard. Vous devriez de temps en temps prendre un peu de repos, non? Pensez-vous. Moi, le repos, je connais pas. Non. Merci. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as raison, c'est un modèle de simplicité, discrétion et bon goût. Nous sommes en retard? Non, non. Ah. Maman, ta cigarette. Enfin. Eh bien, bonjour. Je pense que vous avez bien reçu ma lettre et les photos. Oui, les grandes photos, c'est ça. C'est parfait. Par conséquent, je ne vois pas l'utilité d'avoir de longues discussions. J'agis pour des raisons commerciales. Et je maintiens mes prétentions, qui ne sont pas vraiment exagérées. Non, je préfère ne pas en parler. C'est mon petit secret, voyez-vous. Si ça vous est possible, ce soir, oui. Non, ça ne me dérange nullement. À 21h précise, si vous voulez bien, au parking de votre maison. N'essayez pas de me jouer un mauvais tour. Ça me fait plaisir que nous nous comprenions. Au revoir. Vous m'avez surtout impressionné dans le rôle de la vieille dame. C'est très bien pensé et très bien simple. Je vous remercie pour votre merveilleux compliment, monsieur. Et je le pense vraiment. Maman, je voudrais te présenter Yvonne. Enchantée, madame. John m'a tout raconté sur les circonstances de votre rencontre. J'étais impatiente de vous connaître. Il vous l'a dit, j'espère. Il ne me dit plus grand-chose. Il oublie tout depuis quelque temps. Voilà mon fils, Roman. Mes hommages, chère madame. Il est, comment dirais-je... La brebis galeuse, l'original, l'idiot de la famille. Ma passion, mon vice, c'est de faire des mathématiques. Jeune homme, vous auriez pu choisir pire. Laissez-moi vous présenter les autres invités, chère madame. Voici Maître Martin, l'avocat de votre famille. C'est mes hommages, madame. Bonjour, maître. Thank you.
Elle est fascinante. Oui, là, elle a son public. Elle est en grande forme. Mais à la maison, elle reste au lit une partie de la journée. Elle ne fait rien d'autre que boire, elle ne mange pas. Oh non, peut-être que vous exagérez, vous ne croyez pas? Oui. Des journées calmes, à l'ombre de la forêt. Si tu vois la lumière qui tombe sur nos cœurs, ne me dis rien. Le temps n'existe pas, n'aie aucune peur. Alors tu seras emporté par-delà l'hiver avec les roses de l'été. Mon Dieu, c'est beau! Je regrette infiniment de ne pas vous avoir vu sur scène. Vous avez une telle présence. On peut espérer que l'occasion se représentera. J'espère, en effet. Il paraît qu'elle n'a pas joué depuis plusieurs années. Il semble qu'il y ait du scandale. Merci, Paul. C'est gentil, merci. Ça doit être tellement difficile d'apprendre toujours des textes nouveaux. Oui, c'est extrêmement dur, c'est l'enfer. Mais c'est la loi de notre métier. Oh, 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 mon grand-fils John est en train de me regarder avec tristesse. Non, je ne suis pas triste. Peut-être un peu inquiet. Allons donc faire un tour sur la terrasse. Il fait si doux dehors. Venez vite. Quelle merveilleuse idée. D'ailleurs, j'y ai fait installer un buffet. Tu bois trop, maman. Alors, mon fils, il me manque seulement deux verres et ça ira. C'est un vrai scientifique. Un intellectuel, un théoricien. Il n'est pas capable de diriger une affaire. Et il n'en a aucune envie. Et John? Mon père fonde de grands espoirs sur lui, oui. Moi aussi, d'ailleurs. Trois jours après, on l'a trouvé mort. Il avait voulu juste traverser la route, et puis voilà que... Une voiture le renverse. Heureusement, il est mort sur le coup, ça valait mieux. Vous venez de la part de mon fils, jeune fille. Qu'allez-vous donc imaginer? Je parle trop et trop fort. Et il n'aime pas ça. Et vous avez tant de charme, voyons. Vous voudriez un café, peut-être? Ça serait très gentil de votre part si vous m'appeliez un taxi, que je puisse rentrer chez moi. Mais si vous voulez vous reposer... Vous me rendriez un immense service si vous pouviez me permettre de quitter votre maison sans me faire trop remarque. J'appelle John pour le lui dire. Appelez plutôt un taxi, soyez gentil. Bien, j'y vais tout de suite. Merci. Alors, en attendant, faisons quelques pas dans le jardin. Mes jambes sont toujours solides. Je dois dire qu'elles ne m'ont jamais lâché. Dans aucune situation. Ravi de vous avoir connu. Mais moi aussi, chère madame. Oui, je voudrais une voiture à la Villa Danaos, s'il vous plaît. Elle a préféré rentrer se reposer. Le taxi va arriver dans un instant. Nous allons nous occuper d'elle. Maintenant, elle est de notre famille. Où est passé John? Il est allé avec Roman au hangar à bateau. Dis-lui que je voudrais lui parler. Mon Dieu! Devant la maison, sur le parking, il y a un homme dans une voiture assis. Que se passe-t-il? Selon toute apparence, il est mort. Qu'est-ce que vous dites? C'est impossible.
Et pourtant, je l'ai vu de près. Il a la tête penchée de côté avec un regard fixe. Il est certainement mort. Docteur Martin. Quelle horreur, le pauvre homme. Est-ce vraiment sur le parking? Oui. Oui, elle a parlé du parking. Enfin, c'est ce qu'elle a dit. Rien du tout. C'est une hallucination. Hein? N'est-ce pas qu'il est mort, hein? Veuillez avoir l'extrême obligeance de me montrer l'homme qui est mort, je vous prie. La voiture... était là. Oui. Je ne me souviens plus. Où se trouvait la voiture? Je crois par là. C'était par ici, de ce côté-ci, ou par là? Je crois bien que c'était là. Oui, mais vous ne pouvez rien assurer. Non, non, rien. Le taxi est là. Pourtant, j'ai vu cet homme, je le sais. Oui, certainement. Allons, venez. Je vous conduis au taxi. Oui, mais... il fait très froid tout à coup, c'est affreux. Excusez-moi, je vous prie. Oh, vous êtes tout excusé. Je l'ai suivi au cours des deux dernières années. Au cours de désintoxication, ça n'a vraiment pas l'air d'avoir été efficace. C'est bien malheureux, une telle femme. Bonjour, commissaire. Bonjour, Gert. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bana. Il y a longtemps que t'es là, toi? Oh, une vingtaine de minutes. Et où est le corps? Il est là-bas. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour, monsieur Pester. Bonjour, Rex. Et messieurs, attention. Vous pouvez passer. Tiens, bonjour. Ah, non, 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 le couvrez pas. Laissez-le comme il était. Le médecin l'a déjà vu? Oui, oui, il fait son rapport. Il est assez coordonné? On n'a rien trouvé sur lui. Ni papier, ni trousseau de clé, pas d'argent. Ouais, quoi, rien du tout. Ce sont des chaussures très chères qu'il porte, hein? Les wagons sont sur la voie depuis quelle heure? Depuis 7 heures ce matin. On les a mis là pour permettre le chargement des trains Augsbourg-Munich. On les charge ici, en général. Ce sont des trains de marchandises. Et la porte a été ouverte il y a longtemps? Bon, à peu près 40 minutes. Oui, c'est un ouvrier qui a découvert le corps en voulant commencer à charger. Excusez-moi, mais je... Ah non, vous excusez pas, vous êtes tout à fait le bienvenu. Il devait être déjà dans ce wagon quand le train est arrivé sur cette voie, non? Je le pense aussi, oui. Brenner, le train s'est arrêté quelque part. D'après les chemins de fer, il va d'Augsbourg à Munich, direct. Alors, par conséquent, il se trouvait déjà dans le wagon au départ d'Augsbourg. C'est exact. Alors, quelqu'un peut-il traîner un mort dans la gare de triage en pleine nuit, ou bien y a-t-il du monde et de la lumière constamment? Dans le deuxième cas, il aurait été déposé en cours de route. Comment ça, en cours de route? Ah oui, tu veux dire qu'on l'aurait balancé depuis le pont, là, sur le train en marche. Attention, il a pu sauter de son plein gré. Il se serait donné la mort. C'est possible. En sautant à pieds joints sur le train. Alors là, franchement, ça m'étonnerait. D'après l'expérience que j'ai pu avoir, un homme qui se suicide a au moins ses papiers sur lui. Il a des clés, il a de l'argent, il a quelque chose... Allons, emmenez-le à l'autopsie. Joseph? Oui. Et dans où se trouvent les bureaux? Juste derrière la ronde d'accès. Vous allez voir, ils ont bien une carte du réseau, vous allez bien savoir exactement où le temps est passé. À ta santé. Merci, Fritzi.
Dis-moi, est-ce qu'il fait froid ici ou alors c'est moi qui n'arrive pas à me réchauffer? Ah, dehors, il fait 23 degrés. Ah, bah, alors c'est que ça vient de moi. Tu me fais un petit sandwich? Ouais, jambon, fromage ou saucisson? Comme tu voudras. C'est dommage que tu n'aies pas été là hier. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comme tu n'es pas à la maison, tu ne peux être qu'ici. J'avais besoin de téléphoner. Tu as le téléphone, que je sache. Il est coupé, j'ai oublié de payer la facture. Il faut que je te parle. Assieds-toi. Donc tu viens avec moi. Tracy est un vieil ami. Il peut tout entendre. Il faut que j'aille à la cuisine. Je ferai ton sandwich après. Merci, Fritzy. Alors? Ces dernières années, avec toi, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et toi, dans ta tête de petit génie, tu as fait le compte des sottises de ta mère. C'est toujours moi qui ai dû tout assumer. Pauvre John. Mais hier, tu es allé trop loin. Dis-moi, comment as-tu pu jouer une comédie aussi ignoble hier? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce mort que tu as vu dans la voiture, sur le parking. Eh bien, je l'ai vu, ça je le sais. J'espère que tu me crois, ou bien tu veux dire que je suis... complètement folle. Comment peux-tu oser me dire cela? Dans quelle situation tu m'as mis? Tu me fais honte? Parce que tu avais trop bu, comme d'habitude. Autrement, je ne supporte pas ces gens-là. Pourquoi? Parce que... je vais te demander d'écrire un mot, une lettre, pour t'expliquer, pour t'excuser. Tu veux que je leur dise que j'ai vu un fantôme dans ma folie avinée? C'est la pure vérité, maman. Rien n'est moins sûr. Ah, mais je ferai ça pour toi. Tu as besoin de ces gens-là, mon fils. Il y a des fractures à la clavicule gauche, aux deux bras et également une au coccyx. Oui, mais le coccyx, ça peut très bien provenir de la chute qu'il aurait fait dans le wagon de marchandises. Est-ce que c'est ça qui l'a tué? Non, il a également le larynx broyé. Oh, oui. Alors, il aurait été tué par strangulation. Non, c'est très net. Entre les deuxième et troisième cervicales, il y a des marques de strangulation. On les voit très bien ici. Mais dites donc, il fallait beaucoup de force pour ça, hein? Vous avez l'heure de la mort? 6 ou 7 heures avant qu'on ne le trouve. Ça nous ferait donc environ vers les... à peu près entre minuit et 1 heure. Ouais, c'est ça. Ben, merci, docteur. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose sur les habits? Oui. Oui, le costume vient de Londres et les chaussures viennent d'Italie. Aucune demande de recherche à son sujet n'a été enregistrée? Rien du tout. Aucune demande, aucune plainte au service des disparus. Non. Ah, docteur. Oui. Est-ce que vous pouvez arranger le visage pour qu'on fasse une photo de lui? Sans difficulté. Oui, on va passer un avis de recherche immédiatement dans la presse. Très bien. Ouais. Ah, à propos, docteur, pouvez-vous imaginer sous combien de ponts doit passer le train sur la voie ferrée entre Augsbourg et Munich, par hasard? Sincèrement, je ne me suis jamais intéressé à la question. Eh ben, nous, il faut bien. Il y a 16 ponts. Vous rendez compte des recherches que va faire notre pauvre Gert? Pardon? Ben, ça ira vite avec ta moto, non? Ah, je vous remercie, commissaire. Je veux remonter sur les planches, Léo. J'ai besoin de refaire du théâtre. Je sais, je sais. J'ai tout essayé. J'ai tout fait, tu le sais. Tout ce qu'il est possible de faire. J'ai déjà expliqué à tout le monde combien tu es fabuleuse, quelle grande dame tu es. Mais si, mais si, mais si. Bon, voilà, ils ont encore peur de prendre le risque. Tout le monde se souvient. Ah ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il faut de la patience. Je n'ai pas le temps d'attendre. Mais je comprends ce que tu veux dire, Tila. Au fait, je vais la semaine prochaine à Hanovre. Tu serais prête à jouer à Hanovre, n'est-ce pas? Où on voudra. Comme on voudra. Je suis prête. Excusez-moi. Et qu'y a-t-il? Monsieur, vous avez Zurich. Ah oui, c'est vrai. Tu m'excuses une seconde, Tila. J'en ai pour quelques minutes. Ok, alors je te retrouve après, hein, dès que j'aurai fini. Tu sais, j'ai une autre idée. Oui, hein. Bah tu me raconteras ça. Tiens, installe-toi ici pour l'instant. Bon, passez-moi la communication ici. Oui. Boyard.
Oh, te voilà, ma chérie. Ça fait si longtemps. Comment ça va? Oh, il ne vous oublie pas, je le sais. Il vous apprécie, il vous aime. Oui, tout le monde m'aime. Un café? Volontiers. Trois cuillères à café pour une tasse, c'est cela? Oui, trois cuillères, c'est cela. Et c'est que je me souviens de vos préférences, vous voyez. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone? Naturellement. Donnez-moi le numéro que vous désirez et je le ferai pour vous. Il faudrait que j'appelle la police. Oui, la police criminelle. Danaus. Bonjour, monsieur. Police criminelle. Je m'appelle Custer. Oui, je sais. Bonjour, monsieur. C'est mon collègue, monsieur Hyman. Entrez, je vous en prie. Merci. Veuillez appeler mon fils et ma fille, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas? Oh, pas du tout, au contraire. Installez-vous. Vous avez là un splendide domaine, monsieur. Et le paysage est de toute beauté. Oui. Et il y a 80 ans, cette étendue de terre n'était en fait que des marécages. Et mon grand-père y vivait dans une cabane de pêcheurs. C'est mon père qui a commencé le travail d'assèchement des terres. Plus tard, il a construit cette maison. J'y habite moi-même depuis 45 ans. Et si, grâce à Dieu, tout continue à bien se passer, j'espère que nos enfants et nos petits-enfants y vivront à leur tour. Nous l'espérons. Enfin, je veux dire, nous vous le souhaitons de tout cœur, monsieur. Alors, j'en viens à la raison qui m'amène. Connaissez-vous cet homme, monsieur? Non, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Cet homme a été tué dans la nuit de samedi à dimanche, pas loin d'ici, dans la région. Et nous pensons même sur vos terres. Qu'est-ce qui vous autorise à faire ici de pareilles affirmations? Nous avons le témoignage de quelqu'un qui dit que l'homme a été vu dans le cours de la nuit, devant chez vous, sur le parking, mort. Nous savons qu'il était au volant d'une des voitures et qu'il était mort. Je suppose que le témoin dont vous parlez est une femme qui faisait partie des invités. Je veux dire Madame Tilla Malvin. Oui. Oui, cette dame nous a permis de donner son nom. Madame Malvin, sans vouloir aucunement porter un jugement sur son attitude, était en état d'ivresse. Et d'ailleurs, entre-temps, elle m'a écrit une lettre pour exprimer ses regrets. Et s'excuser pour son comportement de l'autre soir. Lorsque Madame Malvin a vu par hasard cette photo dans le journal du matin, elle a été certaine que ce qu'elle a dit l'autre soir était vrai. Et qu'il s'agit donc de l'homme qu'elle a vu derrière le volant de la voiture. Sur le parking, mort. Mais que nous veut cette femme? Pourquoi ne nous laisse-t-elle pas tranquille? Cette dame avait vu quelque chose d'horrible et elle nous en a fait part. C'est tout à fait son droit. Mon fils, ma fille, ce sont les messieurs de la police criminelle. Bonjour, mademoiselle, bonjour, monsieur. Bonjour. Bien, veuillez vous rasseoir. Je ne veux pas vous interrompre plus longtemps. Oui, je viens juste de montrer à votre père cette photo. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet-là? Voilà donc l'homme qui a joué au fantôme ici l'autre soir. Vous le connaissez? Absolument pas. Non, je ne le connais pas. Eh bien, vous voyez, nous ne sommes d'aucune utilité. Détrompez-vous, monsieur Danhaus. Veuillez nous communiquer les noms et adresses de tous les invités qui étaient présents l'autre soir à votre réception, ainsi que le nom de vos employés. Ça ne me dit rien du tout que mes amis soient mêlés à cette lamentable histoire. Bien, je vais m'en occuper. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez posé toutes vos questions? Non, mais ce sera tout pour aujourd'hui. Cette Madame Malvin est une comédienne. Vous le saviez? Oui, j'ai déjà vu jouer au Théâtre National, et très bien. Vous savez qu'elle boit? Cette femme est alcoolique. Non, je ne le savais pas, mais vous savez, il n'y a pas que les comédiennes qui boivent. Ça fait des années qu'elle n'a plus aucun contrat. Elle passe sa vie dans les studios de télé ou de doublage. Mais elle fait ça pour gagner sa vie depuis que la gloire l'a quittée, cette dame.
Vous ne croyez pas qu'elle a tout simplement inventé de toutes pièces cette histoire? Et peut-être dans l'espoir de se faire remarquer, dans ce métier, on ne recule devant rien, non? J'ai peur que nous soyons victimes de cela. Écoutez, un meurtre a été commis, et ça, c'est sûr. Elle n'a rien inventé. Je suis passée par le parc pour rejoindre la route et... je me suis adossée à une voiture. J'ai attendu et je me suis allumée une cigarette. C'est là que j'ai vu quelque chose qui brillait par terre. Je l'ai ramassé. C'était une décoration. Une décoration? Comment est-elle pu arriver là? J'en sais rien. J'ai donc ramassé la décoration et puis c'est là que... enfin, c'est là que j'ai vu la voiture. La portière était ouverte. Et derrière le volant, il y avait un monsieur. Je me suis donc approché de la voiture et j'ai demandé si la décoration que j'avais trouvée était à lui. Alors, il m'a regardé avec ses yeux hagards, un regard fixe. Et il ne m'a rien répondu. Mais 5 minutes après, ce drôle de monsieur et sa voiture s'étaient évanouis comme des fantômes. J'étais comme une écolière qu'on aurait surprise en train de mentir pendant que tous ces gens si bien élevés, me regardaient posant des questions tous avec leur mine faussement polie. Mais la médaille que vous aviez ramassée, vous l'avez? Ma foi, j'ai dû la laisser tomber dans l'énervement. Comme ça, c'est dommage. Oui, ça aurait pu être un indice intéressant. Mais est-ce que vous pourriez me décrire la voiture où vous avez trouvé le mort derrière le volant? Si je la voyais, je pourrais sûrement la reconnaître. Mais pour la décrire, c'était une petite voiture. Une voiture claire et petite, oui. Oh! Oui, c'était une petite voiture. Ah, Madame Malvin, ça va être compliqué de faire une déposition valable avec vos souvenirs. J'en ai bien peur. Et avec ça, je suis alcoolique. Ça, tout le monde a dû vous le dire. Je ne me permettrai pas de porter un quelconque jugement là-dessus. Car vous savez qu'il s'agit d'une maladie. On boit autant dans tous les milieux, vous savez. Mais il faut savoir que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. C'est la raison pour laquelle je veux qu'on sache que je n'ai pas inventé cette histoire. Vous comprenez? Je veux prouver que je n'ai pas perdu la raison. Je le fais pour moi et aussi je le fais pour mon fils. Ah oui, parce que c'est votre fils qui vous a amené à la maison des Strandberg pour assister à cette réception. Oui, mais c'était une mauvaise idée. Et comédien, lui aussi? Non, il est expert dans les affaires du bâtiment et d'immobilier. Il ne vit pas de la même manière dont je vis. Il est bien tranquille, il est très prudent, très raisonnable. Mais c'est le seul qui soit auprès de moi dans ma vie. Maintenant, vous craignez par-dessus tout qu'il ne parte. Le pont d'après Starnberg, sur la ligne d'Augsbourg-Munich, n'est-ce pas, est ici, à Holdung. Combien de kilomètres de Starnberg, ça, Holdung? 32 kilomètres. Oui, alors ça devrait faire, en voiture, hein, 20 minutes aller puis 20 minutes retour. Je ne peux pas imaginer qu'un des invités ou qu'un des hôtes ait pu quitter la réception aussi longtemps. Ça, on l'aurait remarqué. On aurait très bien pu mettre la voiture avec le cadavre n'importe où, dans une ruelle, tout près de Starnberg, ou bien encore au bord du lac, par exemple, en recouvrant le corps avec un drap, et puis retourner avec les invités, puis dès la fin de la réception, on aurait amené le corps et la voiture jusqu'au pont d'Holdung. C'est possible, ça. Encore faut-il que l'une de ces personnes ait quelque chose à voir avec l'affaire. Ben oui, c'est clair, c'est la première condition. Dis donc, ça avance un peu, l'enquête? Oui, alors, sur les 34 invités, sur le personnel, on en a trouvé 29, et parmi eux, un avocat, Maître Martin, et le fils de cette Madame Malvin. Et sur les 29, quoi, zéro, rien, hein. Aucun n'a reconnu l'homme de la photo. Et si c'était vraiment une hallucination de Madame Malvin, après tout? Ah, voilà le nom du mort trouvé dans le wagon. Il s'agit de Klaus Unger, habitant rue Wackenroth, dans la banlieue de Munich Nord. Il était dans la surveillance et le gardiennage, pour la protection d'objets, de personnes et de transports de courrier. Et comment tu sais tout ça, toi? Je viens juste d'avoir sa secrétaire au téléphone. Elle a vu les photos du journal. Dis donc, on va y aller tous les deux, hein, voir la secrétaire, allez. Allons, calme-toi, ma chérie, voilà ton fiancé. Vraiment, je te trouve très drôle. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Bonjour, Roman. Bonjour, John.
Mais assieds-toi. Merci. John, j'ai une drôle de nouvelle, mon vieux. Yvonne vient de prendre la grave décision de laisser tomber son cher régime et de faire la fête maintenant. Elle a mangé à midi un ragoût avec au moins 2 pommes de terre et en plus, elle a pris 2 cuillerées de sauce. Et monsieur n'arrête pas de se moquer de moi. Ce soir, chez Siebert, il y a une soirée tasse de vin. J'ai réservé une table au cas où on voudrait y aller. Oh ! C'est une excellente idée. Oui, oui, ton fiancé est un homme charmant, très conciliant. Il a l'art d'éviter les controverses, il préfère carrément changer de sujet, c'est très bien. Il est vraiment très adroit. Laisse-le tranquille, s'il te plaît. Bonjour, John. Bonjour, monsieur Danhaus. Bonjour, monsieur Malvin. Bonjour, maître. Mais je vous en prie, restez assis. Merci. Et comment va madame votre mère? Je me fais beaucoup de soucis. Nous aussi, nous nous en faisons. Nous avons beaucoup parlé d'elle et nous cherchons quoi faire pour l'aider. Car elle se met en ce moment dans une situation très difficile. Oui, c'est évidemment le moins qu'on puisse dire. Elle ne s'en sortira pas sans qu'on l'y aide. Même en tenant compte de son âge, de son milieu. Et en général de l'état d'esprit d'une ancienne comédienne qui est privée de son public. Avec ses affirmations, elle fait vraiment beaucoup de mal. Je suis persuadé qu'elle ne le sait pas. Oh, je sais, je le pense aussi. Mais peut-être que ce serait une bonne idée si nous pouvions l'envoyer dans une maison de repos. Mais quelque chose de très bien, bien sûr. Elle pourrait se relaxer et même reprendre une cure de désintoxication. Elle en a grand besoin. L'argent n'a pas à entrer en considération. Considère ça comme une offre, John. Tu vas lui en parler, n'est-ce pas? Je ne fais que ça, lui en parler. Je viens de le faire. Pour elle, c'est une question de confiance. Elle craint qu'on la prenne pour une folle. Elle veut prouver qu'elle a toute sa tête. Ce qu'elle désire, c'est qu'on la prenne au sérieux. Que représentons-nous pour toi, John? Il faut dire plutôt, pour toi, que représente ton avenir? John va prendre tout cela en main. La dernière fois que vous avez vu M. Unger, c'était... Vendredi. Vendredi après-midi, il est passé me dire au revoir. Vous a-t-il dit par hasard ce qu'il ferait ce week-end? Mon patron n'aimait pas mélanger le travail et la vie privée. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose manquant dans ses affaires depuis vendredi? Oui, il manque sa serviette. D'ailleurs, il l'emportait toujours avec lui. En tout cas, chaque fois qu'il avait un rendez-vous important. Savez-vous s'il allait souvent dans la région de Steinberg pour affaires? Pour affaires, non, je ne sais pas. Vous a-t-il parlé de M. Danhaus quelquefois? Ou de Yvonne, ou de Roman Danhaus? Ce nom ne me dit rien du tout. Il y a une vieille dame qui travaille aujourd'hui, là, hein? Oui, oui. Je vais aller l'interroger. Depuis combien de temps, M. Unger, était-il installé ici? Depuis 5 ans. Et dans cette entreprise, apparemment, marchait très bien, hein? Un grand espace pour les bureaux, puis une belle voiture, un appartement en haut, l'entreprise était florissante. Oui, nous n'avions pas à nous plaindre. Ah, je ne trouve plus la vieille dame, et sa maison est fermée. Oui, il se peut qu'elle soit en train de dormir. Tous les jours, l'après-midi, elle se repose 1 heure. Le reste du temps, elle travaille dans son jardin. Et nous avons toujours eu de bonnes relations de voisinage avec elle. Ah oui? Ah, j'ai quelque chose à demander. Monsieur Unger, il a une décoration, n'est-ce pas? Une quoi? Une décoration, oui. Là ou ailleurs, enfin, je ne sais pas, vous voyez. Non, monsieur Unger n'en portait aucune. Ah ben ça, c'est dommage. Enfin, si vous avez une idée, je vais vous laisser le numéro de téléphone. Il est 4h30. Ciao! Au revoir tout le monde! Bonne soirée. À demain. John, c'est vraiment affreux.
Qu'est-ce que tu as encore vu cette fois, maman? John, par pitié, tu dois me croire. Je viens de voir une chose horrible. Il y a une femme, elle est morte. Alors, tu recommences. Tu as encore bu. Tu n'as pas honte de faire ce que tu fais. John, il faut me croire. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était tendue sur le palier. Au moins une fois et demi. J'ai peur, John. Reste chez toi, j'appelle la police. Oui. Je commence à en avoir assez de tes histoires. Je te comprends. Qui est là? La police. Bonsoir. Il est arrivé quelque chose ici? Regardez. Non. Non. La vieille dame du jardin, une certaine madame Padura, a eu dans l'après-midi d'avant le meurtre un court entretien avec Unger. Elle se souvient qu'il lui refusait une tasse de thé en disant qu'il avait affaire. D'après ce qu'elle a dit, c'était un homme sérieux et très poli. Vous avez regardé les papiers de la ferme? Tout d'abord, il y a les dossiers des clients à qui il envoyait ses gardiens, des grands magasins, des antiquaires, des bureaux, également de riches particuliers qui avaient besoin de ses services. Si vous avez comparé la liste des clients avec celle des invités de la soirée à Sternberg, celle des hôtes et celle des employés de la maison, il n'y a absolument aucun rapport entre eux. Oui, bien sûr, mais oh, ça aurait été trop beau, hein. Le deuxième classeur concerne les impôts et aussi les fiches de paye des employés. Nous n'avons pas eu le temps d'y jeter un coup d'œil encore. Mais nous allons nous y mettre et ça ne prendra pas beaucoup de temps. Bonjour. Bonjour, gardien. Elle a encore vu un cadavre dans l'escalier, mais cette fois, c'est une femme. Quand les policiers sont arrivés, le cadavre avait disparu. On est vraiment tombé sur une folle. Oh, la pauvre femme. Thank you.
Malvin, ouvrez la porte. Ouvrez. Nous savons que vous êtes là. Madame Malvin, voyons, ouvrez la porte. Bah, faut qu'on entre. Allez, va me chercher le concierge, toi. Hein. Comment te sens-tu? Comme j'en ai l'air. Pourquoi, grand Dieu, as-tu fait cela? J'avais l'impression que je devenais folle. Je vous remercie pour ce que vous avez fait. Bon, ben, y a pas de quoi, nous sommes venus juste à temps pour conduire votre mère à l'hôpital et aussi pour constater que le mort qu'elle a vu dans la voiture l'autre soir sur le parking, eh ben, n'était pas du tout une hallucination, comme on l'a dit. Oui, nous avons trouvé un indice de taille. En fouillant dans son appartement, nous sommes tombés sur le sac à main qu'elle avait ce soir-là. À la réception, vous étiez avec elle, d'ailleurs, à Sternberg, chez Dahlhaus. Dans ce sac à main, il y avait cette médaille. Votre mère a cru voir une décoration au moment où elle l'a vue par terre devant la voiture où était le mort. Et dans l'émotion générale, elle a dû le mettre dans son sac sans s'en rendre compte. Et ensuite, elle a dû oublier de l'y avoir mis. Alors, cette médaille est le souvenir d'une fête sportive, elle appartient au mort. Nous en avons eu confirmation par un entretien téléphonique avec la collaboratrice et secrétaire de cet homme. Voilà. Je vous félicite d'avoir trouvé cette preuve. Vous pouvez, mais je vous sais gré de vos encouragements, merci. Et l'autre histoire, cette morte trouvée à sa porte? Ah ben pour ça aussi, on a une explication. Nous pensons que Madame Malvin a réellement vu une morte étendue sur les marches juste devant chez elle. Seulement la femme, eh ben, elle n'était pas morte. Il s'agissait d'une mise en scène macabre préparée et arrangée pour faire peur, comme dans les films d'épouvante. Ah, tous les siècles de culture et les modèles de raffinement n'empêcheront donc jamais le vrai fond de la nature humaine d'être cruel. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Alors, votre fils vit toujours ici avec vous? Il a un appartement en ville à Munich, mais il passe tout son temps ici. Donc, toute cette scène montée dans l'escalier, n'est-ce pas, manifestement était là pour jeter le trouble chez Madame Malvin pour vécu une réaction pour la priver de ce qui lui restait de crédit comme témoin auprès de la police. Voilà. C'est démoniaque. Par ailleurs, d'autres éléments viennent confirmer l'hypothèse de cette mise en scène. Un homme a appelé différents journaux en ville en se faisant passer pour un journaliste célèbre. Il a très bien imité sa voix, d'ailleurs, avec talent. Il a décrit en détail toute l'affaire. Alors nous nous demandons qui a intérêt à faire croire à tout le monde que Madame Malvin ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. De toute évidence, il ne peut s'agir que des gens qui ont peur de sa déposition. Ce qui veut dire que vous nous soupçonnez. Ça, c'est vous qui le dites, cher monsieur. Nous avons vérifié tous les papiers concernant le personnel de l'entreprise un par un. Ah oui? Vous avez trouvé quelque chose? Dans l'ensemble, c'est surtout de la paperasse. Mais il y a quelques remarques personnelles au dos des documents, du genre de connaissance des pays d'Orient, ou aime beaucoup les chiens, ou alors capable d'escorter une dame en toute sécurité. Non, ça, il est mal dans ce métier. Il y a une seule chose bizarre. C'est la remarque écrite sur la fiche d'un dénommé Schmidtke Hans Dieter, employé à temps complet du mois de février à fin août 82, pour 2500 marques de salaire mensuel. Et il a reçu le 20 juillet 82 une prime spéciale de 1200 marques, sans aucune raison. Ah oui? Bah ça, ça pourrait être très intéressant. Ah, fais-lui donc venir, tiens. Ça va faire bientôt une année que vous êtes chez nous comme chez vous. Vous êtes un excellent fiancé pour mon Yvonne. Vous supportez même les sautes d'humeur de Roman. Et vous m'êtes très sympathique. Nous avons eu quelques belles conversations tous les deux. Non plus, comment dire, la confiance que je vous porte va infiniment plus loin qu'une relation de salon. Elle s'est développée avec le temps. Alors voilà ce que je veux vous dire. Au bout d'un certain temps, on se fatigue à la longue d'avoir toutes les responsabilités sur les épaules et d'être seul à les assumer. Je ne suis pas très bien votre pensée. Je vous parle d'avenir. Mais je pense à l'avenir de ma société, mais il s'agit aussi du vôtre, John. J'ai l'intention de vous confier d'importantes responsabilités dans mon affaire. Il s'agit d'un poste important. Votre confiance m'honore. J'aimerais vous charger de la création d'un bureau au Canada,
Je veux que vous partiez là-bas le plus rapidement possible. Mais enfin, pourquoi au Canada? C'est au bout du monde. Le Canada est un immense pays et il offre des chances aux gens ambitieux. Et Yvonne? Elle ne viendra pas avec moi? Nous avons décidé de nous fiancer. Ne vous inquiétez pas d'Yvonne, je lui ai parlé. Elle ne veut en aucun cas faire obstacle à votre carrière. Elle est d'accord pour que vous partiez. Vous êtes libre. Vous vous débarrassez de moi. Tout est réglé pour vous et vous n'avez plus qu'à partir. Alors, monsieur Schmidt, que dites-moi donc? Comment êtes-vous entré dans la firme de Hunger? Un jour, j'ai trouvé une annonce dans le journal local. On demande jeune homme pour accompagner des personnes ou garder des magasins. Ah, alors? Alors, moi, je me suis dit que c'était un travail pour moi. Ah oui? Et vous vous êtes présenté? Oui. Le 18 août, monsieur Hunger vous a alloué, sans aucune raison apparente, une prime spéciale de 1200 marques. Pour bons et loyaux services? Oh, vous savez, ça fait si longtemps. Allons, monsieur Schmidt, que 1200 marques, ça peut pas s'oublier aussi vite que ça. Ben, écoutez, je vais essayer de me rappeler. Oui. Le virement a eu lieu le 18 août. Alors, monsieur Schmidt, que voyons, pour quel travail avez-vous gagné cette somme d'argent, s'il vous plaît? On le saura d'une manière ou d'une autre, alors allez-y. Alors, monsieur Hunger m'a demandé de suivre un jour une certaine personne. Je devais donc la suivre simplement, sans me faire remarquer, voilà. Et ensuite? Allez, continuez. Je devais attendre jusqu'à 19h. Qu'aviez-vous à faire d'autre? Ensuite, il m'avait dit de lancer une pierre dans la fenêtre du bureau au premier étage, oui. Et c'est exactement ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait. Et pourquoi vous deviez lancer une pierre? À ça, il ne m'avait pas dit la raison. Et j'avoue que je me suis posé la question en le faisant. Ah oui? Et quelle explication avez-vous trouvée, alors? Moi, je pense qu'il voulait que la sonnerie d'alarme se déclenche dans les bureaux de l'entreprise. Ah, et c'est ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Voulez-vous nous donner, s'il vous plaît, l'adresse de ce bureau avec précision? C'était au 14 de la rue Lobinger. Au 14 de la rue Lobinger? Et c'est le siège de l'entreprise Danaos qui est là? C'est bizarre, ça. Merci, monsieur Schmidtke. Je vais de ce pas rendre visite à monsieur Danaos et vous allez vous occuper de la secrétaire de monsieur Hunger, hein? Non, monsieur Schmidtke, vous devez rester encore un petit peu. Je vous confie un de mes collègues, je préfère de beaucoup que vous restiez au commissariat. C'est uniquement pour votre sécurité, bien sûr. Bonjour, madame Badoura. Madame. Bonjour, messieurs, que désirez-vous? Excusez-nous, madame, vous avez des visites. Oui, comment le savez-vous? C'est la secrétaire de monsieur Hunger qui nous l'a dit. Pouvons-nous parler à votre visiteuse? Oui. Ah, je vous connais, vous. Vous êtes venu chez moi pour l'affaire de monsieur Hunger. Oui, parfaitement. Le pauvre homme. Vous avez trouvé le meurtrier? Est-ce que nous pourrions parler à votre visiteuse? Oui. Un moment, s'il vous plaît. Tila! Bonjour, madame Malvin. Ayman, police criminelle. Tu sais, j'ai raconté... Madame Malvin, je vais vous demander de nous suivre. C'était le 16 août. Oui, c'est ça, le 16 août. J'avais emporté des dossiers à la maison et je m'étais installé dans mon cabinet de travail pour être plus au calme. Un peu après 19h, j'ai entendu la sonnerie du téléphone. C'était la police qui voulait me prévenir qu'au siège de nos bureaux, dans la rue Lobinger au 14, la sonnerie d'alarme était déclenchée. On me demandait de venir immédiatement. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis rendu à Munich, mais heureusement, il ne s'agissait pas du tout d'un cambriolage. Mais une des vitres avait été brisée par une pierre. Une méchante farce, un gamin, sans doute. Une méchante farce, oui. Il s'agit sûrement de bien autre chose. Monsieur le commissaire? Oui. Excusez-moi, monsieur Danaos. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous avons amené madame Malvin. Bonjour. Bonjour, monsieur Malvin. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien,
L'autre jour, tout près d'ici, un homme a été assassiné. John, je voudrais savoir ce que tu fais. S'il vous plaît, vous êtes prié de ne pas parler entre vous. Je dis bonjour à ma mère, c'est interdit? Monsieur Melvin. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ivan. Bonjour. Chère madame, j'aurais préféré que nous nous revoyions dans d'autres circonstances. Mais j'ai déclenché quelque chose, je ne me doutais pas que ça nous mènerait si loin. Eh bien, asseyons-nous. Madame Melvin, mon collaborateur vient de m'informer que cette vieille dame qui habite le petit pavillon, la Madame Badoura, est une amie à vous. Madame Badoura était mon professeur d'art dramatique. Personnellement, je lui dois beaucoup. Et vous allez souvent la voir? Enfin, c'était au début dans la maison et plus tard au petit pavillon, ça. Nous avons toujours gardé de bonnes relations. Et bien sûr, au cours de vos visites, vous avez rencontré Monsieur Unger, c'est ça? C'est lui qui avait acheté toute la propriété. Non. Oh, jamais. C'est bizarre, ça vous trouvez pas? Excusez-moi de vous interrompre, mais je ne crois pas que Madame Melvin ait à voir avec le meurtre, en aucune manière. Non, voilà. Il y a à peu près 15 jours, j'ai reçu 2 lettres très brèves, sans signature, sans expéditeur. Dans la deuxième lettre, il y avait aussi quelques photocopies de documents. Apparemment, quelqu'un avait pénétré au siège de mon entreprise et on avait photocopié ces documents. Le correspondant anonyme demandait qu'on lui verse 5 millions comme condition de la restitution de ses précieuses copies. À défaut de quoi, il vendrait ce matériel à une autre entreprise concurrente. Ça se fait assez souvent. Et précisément, le jour où a eu lieu la réception, il a téléphoné le matin en me demandant si l'argent était là, s'il pouvait venir. Je lui dis qu'il pouvait venir, en effet. Et il est venu? Oui. Oui, il est venu. Maintenant, c'est John qui va raconter la suite. Alors, John, voilà une occasion de faire preuve de courage. Eh bien, John. Cette Madame Badoura, le professeur d'art dramatique, elle avait décidé de vendre sa maison. Elle l'a dit à ma mère et... Bon, ma mère m'a demandé d'aider la vieille dame. Connaissant l'immobilier, j'étais en mesure de faire une expertise concernant la valeur réelle de la maison de la vieille dame. Et éventuellement, trouver un acheteur. Et vous l'avez fait? Oui. J'ai fait rencontrer Madame Badoura et Unger, dont j'avais fait la connaissance peu de temps avant. Et là, Madame Badoura, en fait, ne se rendait pas bien compte de la valeur réelle de sa maison. J'ai donc fixé pour la maison un prix de 600 000 marques. Et Unger l'a acheté. Et combien valait en réalité cette maison? Vu l'endroit où elle est située, elle valait dans les 2 millions. Et combien d'argent, monsieur Unger, vous a-t-il versé en échange de ce service? 400 000 marques. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je suis ton fils, maman. Et comme cette affaire avait parfaitement bien marché, alors M. Unger est revenu avec une deuxième proposition. Oui. Et cette fois, il m'a demandé de lui procurer des copies de documents provenant des entreprises d'Anhaus. J'ai voulu d'abord refuser. Alors il m'a menacé d'écrire une lettre à M. d'Anhaus et de me dénoncer comme escroc. Et vous avez marché, hein? Oui. Mais au moment où Unger a fait déclencher la fausse alarme dans les bureaux ce fameux soir, pendant que M. Danhaus, vraiment soucieux, se rendait à Munich, vous, eh bien, vous avez photocopié les documents en question. Les documents qu'il avait laissés en toute confiance sur son bureau. Regarde-le bien, celui-là, ma petite sœur chérie. Et puis la lettre est arrivée. Avec la demande de rançon, 1 million. J'avais le sentiment que John était dans le coup, car il était le seul à avoir accès à mon bureau dans notre maison, quand j'étais absent, comme par exemple pour aller à Munich. J'aimais beaucoup John, car ma fille l'aimait. Je voulais lui laisser une chance. Et d'ailleurs, en effet, il m'a rendu ce matériel par la suite. Il ne voulait pas me dire de quelle façon. Il avait récupéré ses documents et de mon côté, je n'ai pas voulu insister outre mesure.
En effet, j'ai attendu au parking. Alors, Unger est arrivé. J'ai commencé à parler beaucoup. Je l'ai supplié. Je lui ai dit que je paierais une partie de la somme avec mon argent. Mais il s'est moqué de moi. Alors vous êtes mis en colère et vous l'avez étranglé. Vous reconnaissez les faits? Oui. Monsieur Melvin, votre maman a bien vu le corps, mais personne ne l'a compris. Et pour éliminer le reste de confiance qu'on pouvait avoir en elle, vous avez donc organisé cette scène devant la porte de chez elle, avec des personnes que vous aviez payées, voilà. Et à qui vous avez fait croire qu'il s'agissait d'une farce. Et mais seulement était vraiment mauvaise, cette farce. Je vous arrête, monsieur Melvin. Tu es un misérable ordure! Espèce de salaud!